Alors bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bonjour les filles et les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors mon nom c'est Moïka, pour les nouveaux ici, et je vous invite fortement de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer aucune vidéo de moi. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, je vous viens avec une routine du soir, ma nouvelle routine du soir, car là vous savez que mes deux garçons sont enfin inscrits à la garderie, donc à la crèche pour ceux qui viennent de l'Europe. Donc ça fait longtemps que j'attendais ce moment là pour pouvoir enfin travailler tranquillement, d'arrêter de me stresser, d'arrêter de me faire beaucoup de me mettre beaucoup de pression au niveau du travail, parce que j'arrivais pas souvent à rentrer dans mes délais étant donné que je dois m'occuper de deux enfants. Donc c'est chose du passé maintenant. Donc je me suis dit pourquoi pas vous venir avec une nouvelle routine du soir, de comment je m'organise au niveau de la routine du soir. Donc là, comme vous voyez, là je suis vraiment en train de faire le gros clean-up. Donc avant d'aller les chercher, je m'assure de faire un gros clean-up de la maison pour que quand ils arrivent, ben la maison est déjà arrangée et propre. C'est moins de travail contrairement à avant, quand je les avais vraiment du matin jusqu'au soir. C'était un peu plus difficile de faire le ménage au courant de la journée, donc je faisais toujours le ménage quand ils étaient couchés. Donc c'est chose du passé maintenant. Donc je prends le temps vraiment de ranger ça, et puis comme vous le savez, je suis une maniaque du ménage, donc c'est vraiment pas pour vos beaux yeux, c'est vraiment comme ça que je suis. Avant de partir, je m'assure de faire la vaisselle, de nettoyer les comptoirs, la table, ramasser les jouets qui traînaient que j'ai pas ramassé au courant de la matinée, et ensuite bah là je pourrais aller les chercher une fois tout ça nettoyé. Un gros merci à la compagnie Nail Reserve de sponsoriser cette vidéo. Donc Nail Reserve est une compagnie qui font des vernis au gel. Ils sont vegan et zéro testés sur les animaux. Vous savez comment c'est important pour moi ça. Donc ils ont été super gentils de m'envoyer une panoplie de vernis. Et vous allez voir qu'il y en a certains que c'est écrit Nail Addict. C'est parce qu'en fait, Nail Reserve s'appelait Nail Addict. Et pendant justement le processus de notre collaboration, ils ont rebrand et ont décidé de s'appeler Nail Reserve. Donc c'est pour ça que les vernis que vous voyez à l'écran, c'est Nail Addict. Donc ça, c'était dans leur ancien branding. Également, leur lampe UV, car ils ont aussi une lampe UV qui permet en fait une application plus facile des vernis au gel, où vous allez pouvoir également utiliser seulement la base si vous voulez pas acheter la lampe UV et utiliser seulement en mode vernis. Donc ils offrent une base que vous appliquez au début, ensuite vous mettez la couleur et ensuite vous appliquez le touch-up, donc le final touch. Donc il y a comme trois étapes à faire. Sinon, si vous avez déjà une lampe UV ou que vous préférez vous la procurer, eh bien vous allez pouvoir la trouver sur leur site. Donc comme vous voyez, ils ont une panoplie de couleurs. Vraiment bonne chance, vous allez voir, il y en a beaucoup. Et je suis bien heureuse de pouvoir vous permettre de sauver 50% de rabais lors de vos achats avec le code promo MOIKA50, tout simplement. Donc si vous êtes fan de vernis et que vous voulez faire vos vernis à la maison, je vous recommande vraiment les vernis de Nail Reserve. Et moi j'adore ça pour faire mes pieds, donc je sauve vraiment beaucoup de sous au niveau des spas et des salons d'ongles. Voilà.
voilà, clean up terminé. Alors là, je vais attendre. Je pourrais partir maintenant, aller les chercher. Honnêtement, je pense que je vais faire ça parce que tout est prêt. J'ai vraiment tout préparé. Il va juste me rester dans le fond à sortir leur souper. Donc moi, en fait, mes boys, ils mangent vraiment beaucoup. Donc ça peut arriver qu'ils soupent. Dès qu'ils rentrent, ils vont manger, mais qu'ils vont souper encore un peu plus tard. Quelque chose de plus léger. Donc à la base, moi, ce que je prépare quand ils rentrent de la garderie, c'est toujours quelque chose de super consistant, que ce soit du riz, légumes, que ce soit riz lalo, riz poulet, des pâtes ou sinon du ravioli, vraiment quelque chose de consistant. Puis si je vois qu'en fin de journée, là, ils sont là à me demander des collations par-ci, par-là, ben je vais les faire manger soit du gruau ou du céréal avant le dodo pour m'assurer qu'ils ont le ventre plein. Parce que oui, à la garderie, on les nourrit super bien, mais on s'entend que c'est pas comme à la maison, tu sais, dans le sens que moi, je sais les portions que mes boys aiment. Donc, je sais pas moi comment qu'ils mangent à la garderie, puis si vraiment ils ont tout mangé, etc. Donc là, je vais préparer leur repas, comme ça, quand on rentre, je fais juste le chauffer, ils s'assient, ils lavent leurs mains, on mange. Ensuite, période de temps libre, là, un petit peu à la maison, là, que ce soit peinture, ils peuvent jouer entre eux et tout. Ensuite, c'est les bains. Ben, vous allez voir tout ça, là. Pourquoi je vous raconte? On continue. Donc comme vous avez vu là, je suis en train de préparer leur souper car comme quand on rentre de la garderie là, l'heure ça roule, surtout si on fait des petits détours avant de rentrer à la maison, que ce soit des commissions, j'aime bien aller au parc aussi avec eux, comme ça Junior peut aller se dégourdir les jambes aussi, eux ça leur permet d'une certaine stimulation extérieure avant de rentrer là dans la routine du soir, donc peu importe la journée, peu importe ce que je compte faire après être allé les chercher à la garderie, moi je préfère vraiment préparer leur repas, préparer même leur pyjama après le bain, comme ça tout est organisé là, il n'y a pas moyen d'être débordé ou de perdre la tête avec deux enfants si on est organisé. C'est vraiment ça la clé du succès, je l'ai fait pendant des années avec eux en travaillant à la maison, donc maintenant qu'ils vont à la garderie là, il n'y a vraiment rien de plus simple, je suis vraiment vraiment reconnaissante pour la vie. Alright guys, donc là je suis prête à aller chercher les enfants, il est présentement 3h55, donc quand même assez tôt là, dans le fond la garderie ferme dans exactement une heure, mais moi j'aime vraiment aller les chercher pour avoir le temps de faire un peu d'activité avec eux, là on va faire de la peinture aujourd'hui, puis je pense qu'on va aller au parc aussi, c'est pour ça que j'amène Junior parce qu'il fait vraiment beau, les mauvais temps s'en viennent, on pourra pas aller au parc comme ça, donc je pense qu'on va aller au parc avant de rentrer à la maison, puis ça va bien enchaîner la routine aussi là, d'aller au parc, je trouve que ça me permet aussi à moi là de couper un peu tout le temps en train de faire quelque chose, d'aller au parc. Je peux m'asseoir, faire mes affaires, regarder mes enfants s'amuser. Donc je trouve que ça fait une belle transition avant d'entrer dans la routine du soir qui peut être très chaotique avec deux bébés. Une fois de retour à la maison, bien sûr, je fais les enfants aller placer leurs souliers. Cameron, c'est vraiment la galère en ce moment avec lui. Je suis dans le pire, terrible two ever. Il n'écoute aucune consigne, c'est non, non, non. Donc vous allez voir là que c'est moi qui a dû lui enlever les bottes. Il restait assis comme ça là. Non, non, non. Puis on choisit ses combats. Au moins, il a terminé par aller les mettre au moins. Mais vous voyez, il les a lancés comme tout ça. Il sait qu'il doit pas faire ça, mais j'ai lâché le combat pour aujourd'hui parce que d'habitude, j'allais m'énerver. Ensuite, bien sûr, on va aller laver les mains, enlever toutes ces petites bactéries-là avant de passer à table. Thank you.
Donc habituellement, à ce moment-là, si j'avais pas déjà préparé le souper quand les enfants étaient à la garderie, je me mets à la préparation du souper. Surtout quand c'est des soupers là, que j'aime ça que ce soit frais pour Reggie de manger, là, que ce soit des moules, que ce soit des bavettes de bœuf, tout ce qui est comme, que je trouve que ça peut pas juste rester sur le four et être chauffé, je vais le préparer à l'instant même. Mais là, on a été bénis avec ma mère là, qui a décidé de cuisiner ça là pendant les deux dernières semaines. J'ai rien eu presque à faire à part mes repas à moi, parce qu'on sait que ma mère, elle est haïtienne, so elle cuisine la nourriture haïtienne, donc c'est beaucoup de riz, de riz, de riz, donc j'évite de manger ça pour ma diète que j'ai commencé là. Au moment de la vidéo là, dites-vous, j'ai pas commencé ma diète là, venez pas commencer à me dire si je suis enceinte dans les commentaires. Je suis pas enceinte, votre girl a gagné un happy weight because she was so blessed with life et puis je mangeais sans cesse. Mais bref, là j'ai comme un nouveau régime et tout, là je vous donnerai des updates éventuellement. Là j'étais justement en train de regarder dans le congélateur là si je devais pas décongeler un repas haïtien que ma mère avait préparé, que j'avais mis au congélo. Donc là, Riley voulait aller faire caca. Donc vous savez, Riley est propre, c'est super. Donc il est parti faire un petit caca le temps qu'après ça, il revient manger. À la garderie aujourd'hui? Oui! Quelqu'un n'a pas ramassé! Cam-Cam n'a pas ramassé? Oui! Le camion poubelle? Oui! Mais Riley m'a dit que tu n'as pas ramassé. À la police! Ok, mais est-ce que tu as ramassé les jouets quand il fallait ramasser? Alors moi je peux! Tu réponds pas à ma question, Cameron. Ok, monstre de choc, camion de poubelle, voiture de police. Ok, mais est-ce que tu as ramassé les jouets quand c'était le temps de ramasser? Oui. Est-ce qu'il a ramassé? Mm-hmm. Mais tu m'as dit qu'il n'a pas ramassé. Est-ce que Cameron a écouté les conseils? Oui. Ok, parfait. Bravo. Fini. Il te reste une bouchée. Qu'est-ce que tu fais? Don't do that. C'est une bouchée pour toi. Oh, attends, Cameron. Grand goût, Pam. Attends, je vais t'aider pour que tu aies une grosse bouchée pleine là. Parce que là, c'est tout. Je vais faire tout seul. Tu veux faire tout seul? Oui. Vas-y. Voilà. Les yogourts? Je vais vous donner un peu. Thank you.
Donc, quand ils terminent de dîner, ben, de souper plutôt, je vais laver tout ça. Et bien sûr, la caméra ne m'a pas écoutée parce que là, maintenant, je ne les laisse plus descendre de la table avec des collations. Donc, vous avez vu, Riley, il est resté. Cameron n'a pas écouté. J'ai lâché prise. J'étais tellement fatiguée. Puis, je pense que je vous le dis plus tard. Là, j'étais... Comme Cameron, ça a été une rough week. Au moment que j'ai filmé cette routine du soir, je pense qu'on était un vendredi. Donc, j'étais à bout de ma life. Malgré qu'il passe la majeure partie de sa journée à la garderie, le peu de temps que j'ai avec lui, là, ça me demande énormément de patience. Énormément de patience. Donc, on s'arme de patience, hein, les membres. Donc, voilà. Alors, je vais nettoyer tout ça. Ensuite, on va aller au bain parce que j'étais prête à coucher Cameron, comme vous comprenez. Guys, Reggie est même pas là. Je suis arrivée, il n'y a aucune auto à part le mien dans le stationnement, genre. Donc, faux espoir parce que c'est ça, genre. Mais là, des fois, ça se peut, il arrive à cette heure-là. Mais maintenant, étant donné qu'il est rendu superviseur à son travail, là, il a des horaires, là, suicide, genre. Quand les enfants n'allaient pas à la garderie, je peux vous dire que rendu à 5 heures, j'étais dépassée de ma vie, genre. Comme, plus de patience, fatiguée, tu sais, je m'arrête pas 2 minutes à part pendant la sieste. Donc, je suis vraiment heureuse maintenant à la garderie. Je trouve que j'ai plus de patience, c'est mieux. C'est plus healthy pour moi et pour eux. Et puis, tu sais, vous voyez, Riley qui crie comme ça, d'habitude, j'allais pas le laisser crier comme ça. Mais là, je sais qu'il joue, fort, c'est un enfant, je le laisse. C'est sûr, quand il dépasse les bornes, là, j'avertis. Mais après avoir passé du matin jusqu'à 5 heures avec des enfants qui se chicanent, qui écoutent pas les consignes, tu sais, c'est difficile. Donc, on dirait à l'heure du bain, là, s'il se met à crier comme ça, c'est sûr que t'as pas de patience, right? Donc pour ça là, les mamans qui sont mères au foyer là, que c'est votre choix. Donc c'est important de comme aussi décrocher, d'avoir un moment dans votre journée. Je sais qu'il y a des haltes garderies, il y a plein de solutions là. Si vous n'avez pas de place en garderie encore et tout, mais sinon si vous êtes mère au foyer puis c'est votre choix, ben ça c'est vous. Mais moi personnellement je pourrais jamais. Je pourrais pas. Moi j'aime travailler, j'aime faire mes choses et avoir mes enfants 24 heures sur 24 puis c'est moi qui comme les éduque là. Non, moi je suis vraiment quelqu'un comme the daycare is needed. L'école, ça va être la même chose. C'est sûr que je ne les mets pas au service de garde, mais tu sais, l'école, ça va être un peu la même chose. Ils vont passer de la journée à l'école, je vais les chercher plus tard. Je trouve que c'est important. Ce moment est trop important. Genre, j'en reviens pas que genre... Excusez-moi, Camille a passé en dessous de mon trépied. Il m'a regardé avec des yeux de chevreuil, genre, il pensait vraiment que j'allais chicaner, là. Mais là, j'ai la patience, comme je dis, là. It's healthy for me. I'm so happy for this new routine. Et puis là, je me suis fait... Il y a une grosse page populaire que je suis là, c'est écrit Black Love Exists. Puis ils ont posté notre vidéo sur leur page, je suis comme en état de choc, ils m'ont follow. Ah, je suis vraiment contente, les statistiques n'arrêtent pas de monter, c'est incroyable, tout ça à cause d'une vidéo sur Instagram. Mais bref, alors je vais sortir Riley pour continuer la routine. Donc, comme vous pouvez voir, là, maintenant, je prends le bain des enfants séparément parce qu'il y avait juste trop de disputes dans le bain. Ça n'avait aucun sens. Et puis, vraiment, là, c'est thérapeutique pour mes oreilles. Et donc, je commence toujours avec Riley parce que Riley est super autonome. Maintenant, il s'habille tout seul, mon grand garçon. Donc, je prends le bain à Riley. Je laisse jouer un petit peu dans le bain. Ensuite, il s'habille tout seul. Et moi, entre-temps, je m'occupe de Cameron parce que déjà, Cameron, juste pour le rentrer dans le bain, c'est la misère. Il faut que je lui cours après. Le sortir du bain, la même chose. L'habiller, un peu tout ça. Donc, je me dis, bon. Je finis avec Riley, c'est fait, et après ça, je gère Cameron. Et bien sûr, entre-temps, Reggie arrive toujours dans les alentours de ces heures-là quand que je suis en train de prendre le bain des enfants. Et bien sûr, il est arrivé, puis ensuite, on va se raconter déjà les topos de la journée. Ok. Papa! Papa! Viens, papa! Tu peux fermer l'eau, il veut sortir, il est prêt. Il veut son toutou. Oh my god, ce matin je prends mon bain. Devine qui était dans le bain avec moi. Non. Le l'araignée. Giraffe, elephant. Ah,
singe? Un monkey. Monkey, vas-y. Fais la, l'éléphant. Faut faire acclamer comme ça. Comme ça. Fais le lion. Fais le lion. Donc là, je leur fais un petit pique-assiette. C'est un petit peu ce que je prépare les matins avant la garderie. Laissez-moi savoir si vous voulez que je vous filme une routine du matin avant garderie en faisant un bon like sur cette vidéo et en laissant un petit commentaire. Donc là, je les ai fait un pique-assiette parce que là, ils m'ont dit qu'ils avaient faim un petit peu trop tard car à la base, j'aurais pu leur faire un gruau, leur donner des céréales, un croissant, peu importe. Mais là, je trouvais qu'ils commençaient à être un petit peu tard. Donc, je voulais qu'ils mangent quelque chose qui se digère bien. Donc, des fruits avec une bartang et une petite pâte d'ours. Puis, bien sûr, après la ça va être le brossage des dents et le dodo. Donc pour finir, je vais leur faire un petit flush nasal vraiment important là, surtout qu'en ce moment il y a des virus chez nous. Cameron, il a même attrapé un otite à cause de ça parce que je lui ai pas fait assez de flush nasal là. Mon docteur recommande de faire ça limite 5 fois par jour si c'est pas plus. Donc c'est sûr qu'avant le dodo, là je prends le temps de le faire. Et puis ensuite je vais les coucher. Donc là en ce moment avec Cameron, comme je vous dis, c'est pas très évident. Donc là on couche Cameron dans notre lit et Riot dans son lit. Et quand Cameron s'endort là, on le transfère parce que sinon c'est la fête, les deux ne dorment pas, ils lancent des coussins, ils jouent et je vous dis là, il n'y a rien à faire. Peu importe le nombre de fois qu'on revient intervenir, on dit que c'est l'heure de dormir. Ce qui arrive, c'est que Riley lui veut dormir et se fâche, il dit à Cameron de dormir, mais Cameron ne dort pas. Donc j'ai vraiment hâte qu'on déménage là pour qu'on puisse offrir aux garçons là chacun leur chambre et éviter ce genre de situation. Et sinon, ça va être ça et je vais préparer aussi leur lait parce qu'ils m'avaient demandé leur lait. Donc, comme je vous ai dit là, il aurait fallu que cette journée-là, ils soupent quelque chose de plus consistant. Mais le fait qu'ils me l'ont demandé trop tard, j'aime pas ça leur donner à manger rendu 6h30, presque 7h. Parce que sinon, ça décale un peu trop l'heure du dodo et tout le reste. Donc, je vais leur préparer un petit lait pour compenser. Je vais faire les laits des garçons, donc c'est pas mal ça ma routine du soir. Entre 7 et 7h30, il faut qu'ils soient dans leur lit, comme pour mon bien-être mental et celui de Reggie, et pour eux-mêmes, parce qu'ils sont épuisés, tu sais. J'ai vraiment mal aux jambes. Là, j'ai écrit à ma soeur parce que oui, je veux reprendre l'entraînement, j'ai repris l'entraînement, mais là, ça me fait beaucoup trop mal. Là, ça fait, c'est quoi, on est jour 3 de l'entraînement, jour 2. Et puis là, mes jambes, ils me font mal. Quand je vous dis mal, et là, c'est que aussi la première fois que je me suis entraînée, your girl, c'est pas étiré. Donc, je pense que c'est dû à ça. Puis là, j'ai comme peur un peu parce que, tu sais, je veux pas, je veux pas que, oh, c'était Reggie. Je veux pas que ça nuit à mon entraînement de demain.
parce qu'en plus demain je m'entraîne avec ma soeur, ça va être fun. Donc bref, je vais m'assurer là de surveiller ça parce que j'ai pas envie, c'est ça, de me détirer un muscle et puis que je sois comme, que je sois pas en mesure de m'entraîner correctement. Donc bref, alors je vais amener le lait au garçon, puis ça va être ça honnêtement pour ma routine du soir. J'espère que vous avez aimé. J'ai sûr que j'aurais voulu continuer là de vous montrer comme justement ce que moi je fais après, mais honnêtement je suis vraiment fatiguée, comme je vous ai dit, je veux juste arrêter de filmer là pour vrai là, genre, tu sais, c'est sûr que vous, quand vous voyez ça, ça a l'air simple, facile et tout, mais c'est demandant là de bouger la caméra, puis moi j'aime ça beaucoup d'angles pour pas que vous soyez là à regarder juste quelque chose figé là. Tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se soucie pas de ça quand ils font des vidéos, mais moi vous connaissez mon contenu, right? So je vais jamais vous laisser comme là puis pendant 10 minutes, genre non, il faut que ça bouge, donc c'est épuisant à faire ça. Et tout comme je vous ai dit, donc j'espère que c'est pas magique au revoir parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup là qui veulent voir ce que je fais. Mais comme je vous ai dit là honnêtement, je vais leur donner le lait. Je vais aller m'asseoir sur le sofa. Je vais m'asseoir sur le sofa, genre je vais mettre, checker mes business email and stuff. Et puis ensuite, shower. Mais comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est... Bon, vous voyez, elle est sortie de sa chambre. Mais elle fait tout le temps ça. Parce qu'il lui a pas dit bonne nuit. Tu as dit bonne nuit? Parce que tu connais bonne nuit. Parce que si elle dit pas bonne nuit à son papa, ben il dort pas. Je prends pour lui. Ok. Ouais, ils sont à vendre des bouteilles. Mais bref, ça date tellement de, il y a longtemps ces bouteilles là, genre il était temps avant qu'ils s'en débarrassent. Oh c'est sale. Mais bref, c'est ça, comme j'expliquais en gros là, c'est ça là, je vais aller passer dans le salon, tu sais, je vais mettre un petit film sur Netflix, je vais regarder mes business emails, ensuite je vais décider si je... Oh, mais il est allé faire pipi. Je vais décider si je vais... prendre une douche, là c'est sûr je prends une douche ce soir, une bonne douche chaude, peut-être même un bain, là tu sais, un bain où je peux laisser mes muscles, ouais, c'est ça, c'est dead, je prends un bain, oh, voilà, c'est ça, ça va détendre mes muscles, parce qu'ils sont stressés à cause de l'entraînement, ils ont pas compris la nouvelle routine et tout, donc voilà, ça va être ça, puis ensuite, c'est ça, je me mets en pyjama, puis après ça je me colle avec Reggie, faire du montage et des trucs comme ça, donc je trouve que c'est pas comme si c'est quelque chose de non plus super intéressant que je fais ce soir. C'est sûr que si je faisais quelque chose d'intéressant, je vous aurais dit. Qu'est-ce que tu fais? Je fais du soleil. Papa, il nettoie le balcon. C'est ça qu'il fait. Allez, c'est dodo. C'est sale. Oui, c'est sale. C'est pour ça que papa nettoie. Toi, va te coucher, Cam Riley. Arrête-moi ça, s'il te plaît. C'est de faire une douche, ça apporte ton lait. T'as fermé la lumière de la toilette? Ferme la porte aussi de la toilette. S'il vous plaît, merci champion. Parce que ça, c'est ça, la Riley. Comme je vous dis, là, même si que je le mets au lit à 7h05, 7h15, 7h30, Ray ne dort pas avant 8h15. Là. Il va rester dans son lit bien tranquillement. Mais du moment où ce que... Cameron n'est pas encore transféré dans son lit, comme je vous dis, la Cameron est dans notre lit, mais du moment que Cameron n'est pas encore dans son lit, Ray, là, il fait tout le temps des comme écho. Là, c'est sûr, là, pour aller aux toilettes, il va utiliser ça comme excuse parce qu'il faut qu'il aille faire pipi. Vous savez, il est en boxeur maintenant, il est propre. Mais, tu sais, des fois, il va sortir, il va dire, maman, je veux juste dormir avec mon autobus. Puis, genre, tu sais, il trouve toujours une petite raison. Je trouve ça cute, là. Mais là, ce soir, je suis fatiguée. Là, ça me tente pas. Des fois, même, je le laisse rester avec moi. Là, le fait que c'est plus Cameron qui est demandant, là, c'est vraiment pas Riley. Parce que c'est sûr, il est plus vieux. Mais Cameron est dans une phase, là, guys, ça n'a même pas de sens. Genre, c'est pire que Terrible 2. Là, genre, j'ai pas connu ça avec Ray. Puis Ray a vécu Terrible 2. Puis c'était pas intense comme ça. Genre, Cameron, là, il a une phase d'opposition. Mais très intense, très impoli. C'est comme, je vais lui parler, il va se boucher les oreilles. Comme un enfant de 2 ans. Où il a appris ça, genre? Vous pensez que moi, Reggie, on se parle, puis moi, je suis là à faire ça? Genre, non. Où il a vu ça, tu sais? Puis il a commencé la garderie il y a 2 jours. On peut, dites-moi pas dans les commentaires, ah, peut-être la garderie? Non. C'est pas ses cousins non plus, parce que ma soeur aussi, elle a une éducation comme moi, puis on permet pas ça. Fait que c'est vraiment en lui. Cameron est juste. Il est quelque chose. Bref. Donc voilà, guys. Alors, au moins, j'ai fait un petit chit-chat là de fin de journée.
Et puis sinon, on va se voir dans une prochaine vidéo. C'est bon de savoir si vous voulez une morning routine, parce que ça, j'ai hâte de vous la filmer. Même si ça va être difficile de la filmer, parce que le matin, moi, comme objectif, je vais amener les enfants à la garderie au moins pour 8h15, 8h30, étant donné que ça ouvre à 8h, pour qu'ils passent le plus de temps que possible. Donc, le matin, là, il faut que je me lève plus tôt que d'habitude. Donc, je dois me réveiller limite à 5h du matin pour me préparer, pour que quand eux se réveillent, je sois tout à eux. Un peu comme vous avez vu ma routine d'après-midi, là, moi, j'aime vraiment que tout soit organisé. Je suis vraiment comme ça, puis vous savez, je suis une maniaque de la propreté. Donc, quand les choses sont organisées, je suis en mesure de contrôler la propreté. Quand c'est pas organisé, on dirait que tout devient sale, tout devient bordel plus vite. Donc, voilà. Donc, bref, je vais ramener le lait à mes boys, guys, puis je vais arrêter de parler parce que sinon, je pourrais vous parler pendant des heures. Je dois envoyer des messages à ma soeur, justement, à elle. Donc, je vais aller j'assure ça avec elle. Et sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Et à tous les mamans qui m'écoutent, on est fortes, ok? On est fortes. Je sais c'est quoi, I'm a mother of two.